Bonjour à toutes et à tous, ici Yann Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prey. Alors, j'ai dit que la prochaine fois on passerait le Deep Storage, mais on va quand même remonter jusqu'au constructeur et au déconstructeur ensemble pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de monstres. J'ai voulu y aller en off, c'est pété de monstres, donc on va éviter de. Enfin, voilà, il y a des trucs à faire, donc on va les faire ensemble. Donc ça j'avais vidé en fait, j'étais ressorti par là en face, alors vous voyez qu'il y a une mimique qui a repris sa place ici, alors j'avais dû réussir à l'esquiver. Ça c'était pas accessible, j'ai pas le code. Donc on va déjà flinguer celle-là, j'ai plus de balles de pistolet. Pour ceux qui suivent chaque épisode, vous le savez déjà. Donc on va y aller. Au fusil à pompe. Et arriver à la prendre par surprise, je peux la one shot. On a un fantôme voltaïque ici. D'ailleurs, on l'avait pas scanné en entier, donc on va le faire. On voit, on se dépêche. Voilà, et ça me donne la compétence résistance électrostatique. Alors, je sais pas si c'est la niveau 1 ou quoi. Je crois que je l'avais déjà. Ça doit être la suivante, du coup. Ah non, parce que ça s'appelle absorption. Qui réduirait les dégâts électriques de 50%. Ça serait très bien en termes de résistance. Il faut que je vérifie, tiens, si je peux prendre le contrôle des bestioles voltaïques avec le contrôle mental. Est-ce que c'est considéré comme des humanoïdes? Ah, puis il y a une tourelle là-bas aussi. Et la tourelle, elle va me tirer dessus. Parce que j'ai une mimique là. Qui se balade. J'ai une autre mimique là. Ah non, c'est une tourelle. Ah, j'ai des tourelles que j'ai laissées actives. Mais qui tire pas sur le méchant. Ok, je peux prendre le contrôle du fantôme voltaïque. Les tourelles sont pétées là. Bon, ceci dit, c'est bien, mais. Je crois qu'il faut pas que je reste. Ah oui, non, faut juste pas que je reste à côté, je me suis fait encore défoncer. Je vais prendre ça. La mimique pour le moment elle est pas là. On fera attention, elle pourra revenir. Je fais attention où je vais, je bois un peu d'eau, même si il va me falloir plus que ça. Un opérateur médical corrompu. On va peut-être manger un truc ou boire un truc. Qu'est-ce qui me reste que je pourrais. Utiliser ça, c'est quoi? Kit de réparation. Ça donne 30. Et ben c'est parti. On a un deuxième stack. De santé et 5 psy, c'est pas mal ça. Autre chose. On va manger ça. Ça nous fait une place et on est remonté full psy. Ok. Des pièces détachées. Prendre une plaque de pierre. Est-ce qu'il va y avoir des manches là-dedans? Parce que c'était bloqué, c'était loqué. Mais comme je l'ai débloqué, pas l'impression. Non, ça a l'air safe. D'ailleurs, il y a un passage ici aussi. C'est le passage vers quoi? Vers le TUG. Ah oui, c'est là d'où on est arrivé. Et on va enfin pouvoir démonter des trucs. Je rappelle que enfin, j'ai vraiment trop de trucs à démonter. C'est quoi ça? Pour Nicole, toujours à jamais, Kevin. Ah oui, j'ai cette alliance aussi. Je sais pas ce que j'en fais. Ça va encombrer mon inventaire à jamais. J'ai ça, j'en ai plusieurs. Ça, j'en ai plusieurs. Ça, j'en ai qu'un. Est-ce que j'ai d'autres trucs en trop? C'est des IUM. Des IUM, j'en ai plein. Je vais en vendre quelques-uns. Ça, je vais en. En vrai, je les utilise jamais, les IUM. Donc, je vais
en garder 5 pour continuer à stacker dessus, mais je vais pas garder un stack complet, sinon ça va se restacker dès que je vais en relooter. Le reste on est plutôt pas mal. 0, charge recyclante. Charge recyclante, c'est pareil, j'en utilise pas beaucoup. Donc. On va en vendre, surtout qu'on en trouve. Il y a des petits pièges à droite à gauche, donc on en retrouve. Et puis c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut faire un tri automatique? Et radiation. Un point de santé, ça soigne la peur, c'est peut-être pas la peine que j'en ai autant. C'est pareil, je vais vendre. Enfin, je vais recycler. Ça donne quand même pas mal. Ça, c'est pareil. En vrai, j'en ai beaucoup. J'en utilise pas tant que ça. Mais comme je me fais défoncer, je vais les garder quand même. Est-ce que j'ai des trucs en très grande quantité? En vrai, c'est plus intelligent de garder les pierres d'oc et de vendre ceux que j'ai en moins grande quantité. Voilà, comme ça, je peux soigner 22 fois la peur. Normalement, avec ça, je suis tranquille. Voilà, j'ai un peu de santé et tout. On est pas mal. Ok, pour ça, on va pouvoir recycler et on va récupérer des tonnes de matériaux. 16 du premier et une vingtaine de chacun des autres. Voilà, ça nous fait vraiment beaucoup de matériaux. On va pouvoir faire des trucs. Piège à charge recyclante. C'est hyper salaud ça, non? C'est salaud de mettre une charge recyclante sur un fabricateur. Et du coup, c'est Mitchell là qui est en train d'en foutre partout pour me pourrir la vie. Très gentil, Mitchell. Hein. Alors, neuromode, je peux pas en faire. Parce qu'il faut que j'aille. Ouais, il faut que je réactive des trucs. Les balles de 9 mm. Il faut que j'en fasse, mais il faut que j'en fasse plein. Il faudrait que je puisse en faire plus d'un coup. C'est pas possible. On peut pas mettre. Pas décidé à en mettre plus. On va en faire plus de 100, je pense, parce que vraiment, ça part comme des petits pains. Je vais refaire encore un peu. Je fais pas trop gaffe à ce que j'utilise, mais c'est important. Fusil à pompe. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On est trop mal, on a presque plus de munitions. On va faire des cartouches aussi. Par combien on les fait les cartouches de fusil à pompe? Par 12. On va en refaire aussi, hein. Puisque j'utilise. Après, j'utilise surtout mon flingue et mon fusil à pompe. J'utilise pas trop les autres armes. Je pourrais améliorer mieux les. Enfin, je pourrais utiliser d'autres armes. Mais c'est quand même celle que je trouve le plus pratique. Ok, bon, là j'ai une cinquantaine de balles. Là j'en ai 150 à peu près. Même très exactement 150. Batterie disjoncteur, je m'en fous. Kit de réparation de combinaison, je m'en fous. J'en ai trop, c'est tout bon. Anti-rad, kit de secours. Fichette flexiforme. Hop, 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 je vais y arriver. Ok, on a besoin de rien d'autre, normalement. J'aimerais bien des neuromodes, mais. Alden Graves. Il faudrait que j'aille voir Alden Graves. Bon, très bien. Ça c'est fait, c'est recyclé. On va pouvoir y retourner. Tiens, je vais garder mon flingue au cas où on retomberait sur la mimique. Sachant que du coup. Idéalement, il faudrait que je retourne looter toute la cafétéria que j'ai laissée en vrac, mais ça je le ferai vraiment off. Déjà, ce que je viens de faire là, je devais le faire en off. C'est juste que, bah, on s'est retrouvé. J'ai voulu le faire et c'était pas possible. On s'est pété ici. C'est
compliqué d'y aller, non? Ah, nickel. Ça va être encore plus compliqué. Je suis bloqué là. C'est bon là? Je vais réparer, j'aime pas laisser des trucs péter. Voilà. Et les tourelles ici sont détruites. Il me semble qu'elles marchaient la dernière fois que je suis passé. Bon, on va les laisser péter parce que du coup... J'ai entendu quelque chose. Du coup, elles sont considérées comme néfastes maintenant. Oh, il y a la mimique là. C'est pas du tout une mimique ça. Oui, mimique supérieure. On est parti. On va finir de vider peut-être. Faire un truc. Vous savez quoi, vu ce que je viens de faire, on va quand même faire une sauvegarde rapide histoire de pas tout relancer. Elle est où? Elle est pas morte. Je pense qu'elle n'est pas morte. Elle est complètement morte. Il y avait marqué mimique supérieure. Hein. Pas fou. Elle mimique quelque part. Bon, elle doit être loin. Il y a des petits problèmes de ciblage de temps en temps. Ça faisait pas pousser des trucs. Ok. Il y avait un télépathe là-dedans. Il avait pris des gens et tout, et j'avais pas réussi à ouvrir la dernière fois ni à passer. L'opérateur médical, tu m'as fait peur. Est-ce que j'ai l'accès maintenant ou toujours pas? Ah, j'ai l'accès. Je pourrais ouvrir ici. Contrôle du typhoon. Le contrôle du téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Courez! Ah, la vitre m'empêche de les cibler. Oula, il y en a du monde. Pas m'arrêter. Vous comprenez? Partez. Tout va bien. Oula, il est chelou lui, non? Il y a de la fumée qui s'en dégage, j'ai l'impression. Ou c'est juste un mec en noir et... Et où est le télépathe dans tout ça? Passe. Débrouillez par de la serre, hein. Activez les arrosages. J'ai vu un truc là. Je t'ai vu. Essaye de me prendre de dos. Écoutez, mais l'interface m'a sauvé. Un autre là. J'essaie de les cibler pour pas qu'ils me prennent de dos, mais c'est compliqué. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Pitié, ne laissez pas mourir comme ça. Ah. On a bientôt besoin d'une révision. J'ai le télépathe. Sauver Rani, objectif raté. C'est la fin pour nous deux. Ah. Attendez, bougez pas. On va reprendre la sauvegarde qu'on a fait avant, du coup. On sait qu'il reste une mimique. C'est pas où, mais on sait qu'il reste. Ah, il en reste peut-être deux, du coup. Il y a une deuxième qui se balade, on peut déverrouiller tout ça. Et alors par contre pour sauver Rani.
Pour sauver Annie, je ne sais pas trop, du coup, comment faire. Essayer de choper un maximum de ping. Non, parce que je suis droit dessus, c'est le chope pas. Il faudrait pouvoir mettre dans les arrosages de lentilles. De lentilleux. Bonjour, ravi de vous revoir, docteur Yu. Les pattes. Sinon, l'autre possibilité, ça serait d'arriver par le haut pour pas qu'il puisse m'atteindre. Je pense. Je pense qu'il y a moyen d'atteindre par le haut. Et dans ce cas-là, salut toi, juste. En allant là-bas dans le coffre-fort d'Alex, je pense qu'il y a moyen de suivre ça. Et de sauter là avec le jetpack. Bon, et dis donc. Et du coup, elle m'a tapé et j'ai récupéré ma vie. Vous avez vu le petit truc vert? J'ai récupéré ma vie grâce à mon talent. Je pourrais aussi empiler des trucs avec de la force physique, mais à mon avis, il m'en faudrait beaucoup. Alors, je pense que c'est possible, mais vu que tout est plus ou moins à 3 ici, tous les gros trucs, il faudrait que je passe à 3 ma force physique pour pouvoir empiler suffisamment de choses. Ouais, bon, c'est compliqué du coup. Mais j'ai le mot de passe déjà, je vais le rentrer, comme ça sera fait. Tu peux activer les arrosages, donc il y a peut-être moyen de faire un truc par rapport à ça. Bon, on verra. On verra une fois prochaine. Je reviendrai faire la serre encore plus tard. Il faut que je le sauve et apparemment. Ou alors il faudrait que je. Il faudrait que j'ouvre. Que je fasse sortir les mecs parce qu'ils me courent après. Bon après-midi, Talos. Et que je re-rentre. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Envoyez vos demandes d'aide ou je l'enferme avec le télépathe et que je le défonce. Ou juste que j'ouvre, je défonce le télépathe, je referme. Parce que là, en l'ayant libéré, apparemment, c'était pas fou. Et je sais pas si c'est le fait de l'avoir libéré qui m'a fait perdre le truc. Parce que normalement, ils sont inconscients, ils sont plus sous contrôle mental. Ou si c'est le fait, comme je l'ai libéré, s'ils l'ont bouffé ou j'en sais rien. Possible aussi. Bon, du coup, la serre, on verra encore un peu plus tard. On va retourner là d'où on venait. J'ai des bouts de mimique et tout. J'aurais pu les recycler au passage, mais c'est pas le plus important. Surtout que... Donc, on va repartir ici. On va redescendre là, dans le deep storage. Et cette fois, on va pouvoir y aller. Alors, cette fois... Pour être tout à fait transparent avec vous, je vais passer en off, je vais aller du côté de la cafétéria où on était avant. Je vais tout looter, je vais tout recycler, tout ça, mais cette fois il n'y a plus de monstres. J'aurais plus besoin de le faire avec vous pour que vous voyez ce qu'il y a, parce qu'on a quand même découvert notamment un nouveau pouvoir, ce genre de choses, donc ça serait dommage de le rater. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le Deep Storage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Prey.